Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit, c'est mon chien qui est sur mon lit, qui vient de descendre. Comme vous avez vu dans le titre, excusez-moi, je vais faire le retour de mon bureau parce que j'ai rajouté beaucoup de choses et je le trouve tellement accueillant comme quand même bureau, même si c'est petit, on peut le dire. Tu sais, j'ai une petite table, vous l'avez vu dans ma vidéo mini room tour. C'était pas ça le titre, mais tu sais, c'était vraiment juste un tour de chambre. Et ben, je m'y mets au diamond painting parce que dans la première vague du coronavirus, Bailey, ma mère et moi, on s'est mis dans le diamond painting. Si vous ne savez pas, c'est comme une image qui est toute collante que on met des petites baies dessus, une par une, jusqu'à temps qu'on ait rempli toute l'image. Fait que je vais vous montrer mon bureau parce que j'ai rajouté un peu de trucs comme ça. Fait que go, c'est parti! Go! Bon. Fait que, vous voyez, bon, là, j'étais en costume de bain. Parce qu'il faisait vraiment, vraiment, vraiment chaud. Que vous voyez bien, là, j'étais en costume de bain normal. Ensuite, voilà, j'ai mon diamond painting ici. J'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai tout fait ça. Bon, ici, vous le savez, j'ai ma boîte de mouchoirs. J'ai juste enlevé les crayons pour me moucher. Il y a tous mes crayons. Oui, je sais, il y a des étiquettes avec des numéros parce que je joue à quelque chose. Là, je vous l'ai dit, c'est juste pour une calculatrice. Puis je rentre aussi mon argent. Puis ça, c'était une carte que j'avais faite quand j'étais tout petite. J'avais mis un numéro, n'importe quoi. Puis voilà. Fait que c'est ça, je garde mon argent dedans. Puis voyons. Puis aussi, ben, c'est ma calculatrice que je n'ai pas encore. Puis ma calculatrice que j'utilise à mon bureau, ben, elle est à l'école, je crois, normal. Vous le savez, là, il y a ma poubelle. Bon, là, je vais retourner ça, c'est un numéro. Hein. Par-dessus ma poubelle, il y a ceci. Avec les faits, mais j'ai rajouté ce petit rangement. Mais bon, en dessous, j'ai rajouté des petits stylos, mais il y a toujours mes dessins. Ensuite, ici, vous voyez, il y a des petites billes avec les numéros qui correspondent à ce numéro-là. Je suis juste trop deg parce que j'ai perdu le... Lequel? Excusez-moi. J'ai perdu celui-ci. Le 8097. Fait que ça me fait un peu chier. Fait que voilà, je vais les mettre dans ce petit rangement-là. Quand il n'y a plus de petits sacs, attendez, je vais essayer de l'ouvrir. C'est juste qu'à une main, ça va un peu mal. Fait que vous voyez, hop, ça s'ouvre. En fait, c'est des boîtements de médicaments. Excusez-moi. Fait que voilà, c'est plein de petites billes. Puis là, il faut les coller. Fait que j'en ai trois comme ça, puis il en manque juste deux. Ensuite, ici, c'est pour coller la colle. Vous allez voir. Mais en fait, là, c'est la colle qui est ici. Puis, il y a des bonbons dedans. Fait que voilà. Et ici, je l'ai organisé. Ici, il y a un petit truc. Allez vous renseigner plus sur le diamond painting. Vous allez voir. Si je mets les billes dedans. Et voilà, je peux les prendre. Puis, c'est avec ça. Regardez, la colle est dedans, en fait. C'est que je plante ça dedans. Ça fait de la colle. Je prends, je colle. Puis ensuite, il y a un embout. Ici, ça peut être trois petites billes. Ici, j'ai aussi une pince. Parce que des fois, quand ils sont... des fois, quand il y a des endroits plus précis, admettons ici, ou admettons qu'il reste juste un là, je prends la petite pince. Et j'en ai un autre au cas où que je perds celui-là. Mais lui, il est full beau. Je sais pas si vous voyez. Là. Il y a des petites... Ah oui. Il y a des petites paillettes, fait que c'est très très beau. Puis vous voyez plein de sacs avec les chiffres. Ça se peut que vous ne compreniez pas mes chiffres, mais moi je les ai faites vite, c'est pour ça. Oups, bon, je vais le ramasser après la vidéo. Que j'en ai plein comme ça. Tac, fait que hop, je remets ça là. Ensuite, j'ai ma paire de ciseaux. Ensuite, ici, bon, il y a mon cahier à dessin. Une prise. Fait que c'est vraiment cool, j'ai mon chargeur là. Et là-dedans, j'ai un autre diamond painting que quand je finis lui, je vais commencer l'autre. Fait que j'ai toutes mis les réserves dedans. Il y a mon sac qui est tombé. Et vous allez dire, ben là, on a fait le tour de mon bureau. T'sais.
Voilà, on a fait le tour de mon bureau. Mais je vais parler de ma chaise. Ah oh non, c'est vrai, il y a d'autres. Il y a mes livres là. Puis bon, ça, je sais pas pourquoi c'est tombé. Ici, il y a ma chaise. Puis vous voyez, ça prend beaucoup de place pour mon lit. Vous voyez, mon lit est descendu là. Fait que vous voyez, c'est collé à mon lit. Fait que je peux pas passer pour aller, mettons, à mon armoire. Fait que. En fait, jamais, juste là ma chaise. Fait que voilà pour mon bureau. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me sens full de bien dans ma chambre. Avant, il manquait toujours un petit quelque chose. Tu sais, comme genre, vous faisiez quelque chose, puis il manque toujours une petite touche. Mais en fait, je l'ai trouvée, cette petite touche-là, dans ma chambre. Je la trouve cute maintenant, je la trouve. Tu sais, il n'y a pas. Ben oui, il y a des. Vous voyez, là, c'est très encombré, là. Tout mon mur y est pris, mais tu sais, quand je lève mon lit, j'adore. Puis maintenant, je dors à côté de mes animaux. J'aime full de ça. J'ai mon bureau. Avant, j'avais pas vraiment de bureau. tu sais, avant, je m'amusais pas à mon bureau. Je trouve qu'il était gris. Tu sais, hein, il était pas coloré dans ma vue, en fait. Tu sais, il était, admettons, comme ça. Il y a de la couleur, mais je le vois. Il y avait pas de vie dans le bureau. Fait que. C'est, j'aime vraiment plus ça. Et ma commode, où est-ce que mon maquillage, c'est ça, je trouvais que même si c'était mon rêve d'avoir ma commode, ben, mon maquillage devant ma fenêtre pour me maquiller en lumière naturelle, mais ça se rangeait à rien à mon quotidien de maquillage. Après que j'avais fini mon maquillage, je vais me voir à ma fenêtre, puis si je vois qu'il y a des petits trucs, ben, je retourne me maquiller. Fait que, ouais, j'aime beaucoup plus ça. Puis aussi quand mes. Qui a mes petits rats, parce que j'en ai quatre. Ils se bataillent un peu. En fait, ils chamaillent comme une petite chicane. Fait que je suis obligée d'être là. Fait qu'il faut que je tape sa cage ou je. Tu sais, je fais un petit bruit pour qu'elle arrête. Puis avant, ma cage était ici. Il y avait ma cage de lapin. Puis en dessous, il y avait ma cage de rat. Déjà, mes rats, il n'y avait pas beaucoup de. Voyons, de clarté parce qu'ils étaient en dessous d'un truc noir. Fait que ça menait. Encore moins. Puis quand mon lit était descendu, mais ça faisait un non-mal en plus. Fait que c'était vraiment pas cool. Il était tout le temps endormi et tout ça. Puis là, ben, ils prennent beaucoup plus de vie en voyant l'extérieur. Puis quand fallait fâcher leur cage, mais fallait que je, tu sais, je lève mon lit parce que sinon, ça, je pouvais pas ôter la cage. Aussi, quand ils se chamaillaient, tu sais, fallait que. À 1 h du matin, je me réveille, j'aille jusqu'à mon mur. Tu sais, ma tête est là, puis il faut que je vienne jusqu'à là. Même s'il était, en fait, il était à peu près. Je vais vous montrer. Il était à peu près à cette hauteur-là. Salut, Billy. Fait que c'était vraiment pas cool. Fait que j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'est un peu de parlage à la fin. Mais tu sais, je me sens beaucoup mieux. Puis c'est ça l'important. Faut se sentir bien dans une chambre. Même si vos parents, ils veulent pas que vous changez votre chambre. Pour vrai, là, c'est votre chambre. Puis aussi, tu sais, si vous vous sentez mieux, comme avec les meubles déplacés, que pas les mêmes, mettons, ma commode est devant moi, puis je suis mieux là, ben, mettez-la là, c'est vraiment, disez-la à vos parents que comme je me sens pas bien avec ma commode là, je trouve que ma chambre est pas bien pour moi et tout ça, puis c'est quand même important de se sentir bien dans sa chambre parce qu'on dort là, tu sais, hein? Fait que si on se sent pas bien, mais c'est sûr que c'est pas cool. Fait que, ben, j'arrête de parler, faut vraiment que j'arrête de parler, sinon on pourrait parler encore 1 heure ensemble, mais bon. Je vais sûrement faire une autre vidéo par l'âge. Fait que je vous dis dans une prochaine vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos pour manquer aucune de mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. Fait que c'est pour ça que vous mettez le petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!